Un dîner de cons. Vous ne connaissez peut-être pas le principe. Chaque invité amène un con. Les cons ne savent pas bien sûr pourquoi on les a sélectionnés. Et le jeu consiste à les faire parler. Il paraît que c'est très drôle. Moi, ça ne me fait pas rire du tout, alors je m'en vais. Et vous les trouvez où, ces champions? Oh, c'est pas simple, c'est une vraie chasse à l'homme. On a des rabatteurs qui nous signalent un con qui vaut le détour. Ah, Pierre, j'en tiens. Parlez aux impôts. Dites donc, c'est dangereux, ça. Imaginez qu'il apprenne pourquoi vous l'avez invité. Aucun risque, on fait très attention. Le rencontrer? C'est pas vrai, tu l'as invité ici? Je voulais l'étudier un peu avant de l'emmener dîner. Oh putain, j'ai un con de classe mondiale ce soir. Je vous en supplie, faites quelque chose, un calmant, des anti-inflammatoires, je veux pas le savoir, mais faites quelque chose. Le sac de glace est du repos ou vous en avez pour 3 semaines? C'est lui? Je ne veux pas le voir. C'est moi qui suis désolé pour vous, c'est pas drôle un tour de rein. Oh, pardon. Je suis désolé. Vous avez fait mal? Je suis dans cet état parce que vous m'êtes tombé dessus. Moi, je discute avec cet abruti, bordel de merde. Dis-moi, je t'appelle pour te dire que je ne rentrerai pas ce soir. Je crois que je ne rentrerai plus jamais. Il l'a viré, ma femme. Elle est revenue et il l'a viré. Il l'a envoyé tout droit chez moi. Ok, j'ai fait une boulette, mais je suis... Ça fait 2 ans que j'attends ce moment. Ça ne joue pas tellement, je crois même que je t'aime. Est-ce que vous m'avez invité à un dîner de cons, monsieur Brochon? Allez-vous-en, ça va mal tourner. Attends, vite! Filez, c'est ce que vous avez de mieux à faire. Lucien Cheval, Pierre Brochon, juste le blanc. Monsieur Cheval, joue. Pourquoi je suis tombé amoureuse d'un salopard? Parce que je vais tout de même vous contrôler. C'est pas très net tout ça. Allez-vous-en, monsieur Pignon.